Salut à tous, c'est Emmanuel Cotret, accompagné de... Matt Cutter 10, 972 toujours. 972. Pour vous faire une nouvelle vidéo tuto, en partie 3 sur MHFU. Et nous allons combattre un Arkakuga. Ouais. Les quêtes précédentes étaient le Yankoukou de bleu et le fameux Tigris qu'on a battu avec moins de difficulté qu'un Yankoukou. Peut-être parce qu'on le fait moins de fois, ça c'est possible. Mais avant, peut-être vous aurez des questions sur ça, sur les détails de l'équipement. Donc la grande lame, je joue avec le destructeur Ukanlos en attaque 1680. Le tranchant, il est dans le bleu, il n'y a vraiment pas beaucoup. J'ai la glace attribut 120 et défense plus 10. Ah oui. PSI, je sais pas vraiment c'est quoi. Par contre, j'ai l'activation de talent repas rapide et durée de paralysie moitié. Donc ça c'est bien. Ensuite, masque, je sais pas. Espoir Chine, je crois. Espoir de garde Chine, ouais. Ah, esprit, non, c'est esprit. Défense avec juste ça, ça me donne 107 de défense, résistance 2 au feu. 3 foudres, moins 2 au dragon, donc niveau 9, résistance au 2 et résistance à la glace moins 2. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas la meilleure armure, mais par contre, elle est faite grâce à Yamatsu Kami que vous rencontrerez en rang G. Donc, comme vous pouvez le voir, vous ne l'aurez pas tout de suite. Et pour moi, c'est la même chose, sauf que j'ai l'épée, c'est... Tranchant et Ukanlos. Je peux voir, ouais. Tranchant et Ukanlos, ouais. Voilà. Masque, garde ça donne les mêmes trucs, sauf avec l'épée. Et on a... Tu m'as dit le nombre de points qu'on avait en défense, en attaque. Ouais. Oh. Et moi j'ai 1704, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est pareil. 1704, ça doit être pareil, ouais, on a la même armure. Attends. Par contre, on va peut-être se brouiller parce qu'on est déjà à 2 minutes. Ouais, je sais pas, ça me donne pas ton. On est parti, t'es prêt? Ouais. Ouais, donc je sais pas si ça donne la même attaque, je crois pas. Je sais pas s'il y a beaucoup de différence. Tranchant et Ukanlos et puis destructeur et Ukanlos, c'est pareil. C'est pareil. Ça doit être 1000. C'est 1116. C'est toi en attaque? Moi c'est 1704 que j'ai en attaque. Ah pareil. J'avais déjà regardé. Après je sais pas si le repas des chiens ça compte direct ou ça compte que durant la quête. Le repas de. Si ouais, Ah non, je crois que c'est 1680 l'attaque. Ah ouais, ça fait mal. Alors 1680 dans la face, ça fait mal. J'aimerais pas être à leur place. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, on se spawn pouvoir. Bon, le Kongalala, ciao. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas direct les fournitures. Il est pas tout en haut. Si, comme d'hab. Non, il est. Il est pas là. Ah non, je sais où il est. Bah non, j'y viens, on va. Ah, il est là-bas. Ah. Yo. Comment ça va aller, genre en attendant, par contre, je vais faire aussi des vidéos de Minecraft. Là, si vous ne connaissez pas, c'est grave quand même. Je crois qu'il a été vendu 14 millions de fois. Waouh! Il nous fait déjà sa belle attaque. Je suis con, j'ai pas pris toutes les méga potions. Oh, j'ai vu le gant prêt là, et comment il a volé. Il est sérieux. Bon, Narkakuga et Tigre, c'est pas pareil du tout. Ouais, lui il bouge beaucoup plus. Donc vous avez intérêt à avoir un bon gestuel au niveau des caméras. Alors que... vous allez rencontrer dans le marais spécialement pour MH3U. Le marais vous pouvez rencontrer aussi dans les quêtes niveau G. Vous allez aussi le débloquer dans cette zone là qui est. C'est une petite reprise des pics de montagne, je sais plus, ça doit être forêt légendaire ou forêt ancienne, je sais plus, un truc comme ça. Les faiblesses du Narg.
Alors c'est le élémentaire, c'est feu et glace. Donc pour ça on est sûr. Ensuite, il se met en rage pour un rien. Putain, sérieux là, tu vas sur un méga jeu si vous voulez. Son attaque la plus puissante, c'est un retournement écrasement de queue au sol. Donc là, ça peut vous faire perdre toute votre vie si vous avez une armure faible. Ou déjà, ça, ça fait très mal. Ah oui, alors ça, c'est le truc qui bouge le plus. Et quand j'étais fort débutant, bah, je me faisais tout le temps avoir. Quand il est enragé et qu'il tourne dans tous les sens, là, je comprenais rien à ce qu'il me fait. Rien à ce qui m'arrivait. Parce qu'il... Mais quand ça charge et ça charge pour lancer des picots sur sa de sa queue, elle est longue. J'ai entendu dire que sa puissance était doublée. Donc quand ça quand il n'y a pas de charge, vous prenez pas trop de dégâts. Quand ça y a une charge d'attaque, ça peut faire très 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 mal. Oh, mais c'est deux fois d'affilée, ça va fonctionner. Et j'ai Makem qui fait des folies. Moi j'attaque toujours sa queue. Donc ça, ça fait vraiment très très mal. Écrasement. Oh, surtout quand il est en rage. Oui, ça serait bien que tu me coupes la queue, ça. Ça serait vraiment cool. Bah ta queue est déjà abîmée. Par contre, j'ai un petit peu plus de difficulté avec lui que le tigre. Voilà, ça va là. Je commence à reprendre mes marques avec lui. Ah, je me rappelle, pendant un moment, on n'arrêtait pas de faire cette quête. Oula! Je me rappelle, on n'arrêtait pas de la faire cette quête. Mais moi, Narga, c'est un peu mon monstre préféré avec le Lunastra. Lunastra, Théosra, Batchan, Nafra, hein. Lunastra, de toute façon. Moi, c'est mes préférés, moi, de toute façon. Bah, c'est tout la musique, en fait. Oh, ouais, ah, elle est juste épique. Ouais, sa petite rage. Oh, on va directement. Moi, je dégage. Moi, perso, j'enchaîne avec ça. Hop. Oh, bien joué! Oh! Et par contre, ça, il l'a fait souvent quand il, y a un... quand il est flashé, il l'a fait souvent. Juste un truc, c'est quand il est flashé, c'est pas pour l'attaquer. C'est plutôt pour reprendre des ressources ou des trucs comme ça, parce que vous voyez, il fait pas grand chose. Il reste fort sur place. Non! Enfin, je veux dire, il bouge moins. Il bouge moins. Enfin, il t'attaque pas. Il attaque toujours devant lui. Alors, il attaque n'importe où, quoi. Il est drogué, quoi, voilà. Là, faut vite tirer. Ah, super, changement de map. Je pense savoir où il est parti. S'il est parti au même endroit que d'habitude, il part là-bas. Ouais. Merde. Ouais. What? Ouais, donc, attaquez toujours la tête, si possible. Ouais, il est là. Et la queue. Et vous pouvez lui péter ses ailes, ça vous fera moins de dégâts. Par contre, faut vraiment avoir une bonne rapidité, faut vraiment s'entraîner. Non, non, non. Oh, la chance. Oui, coupé. Oh là, si j'arrive à le blesser. Oh non, ça aurait pu être épique. Oh putain, il y a Agassin qui s'attaque. Toi maintenant, je vais t'attaquer à face. Je suis en train de me faire dans tous mes. Ok, maintenant on prend la proue dedans. Ah, oh, non. J'adore. C'est le Kunga Lala, il saute au moment où, le Narka Kunga donne son coup. J'avais grave l'impression que le Kunga Lala. Ah non, le Kunga. Kongo ou Kunga, je sais plus. Kunga. Kunga. Ouais, j'ai trop cru qu'il s'était pris le coup. J'étais mort. Tiens, pose un piège. On va pouvoir l'enchaîner. Ouais, pièce que. Poste. Oh le bâtard. Oh, ça c'est. J'avais un piège poste. Ah, il m'a trollé. Oh le connard. Allez, viens dedans. Oh, il est sérieux, il était dedans. Il était dedans, il est sorti. Et non, mais il est en train de me troller ce bâtard. Tiens, ça c'est pour m'avoir trollé, connard. Vas-y, viens vers moi pour le mettre dans le piège. Oh, il fait mal. Au moins que j'ai toute ma vie. Ah nickel, je dois aiguiser, alors s'il tombe dans le piège, je serai un peu vert.
T'as de la chance, tu tombais juste à côté. Eh, viens là. Toi. Surtout que je crois qu'il reste pas mal de temps dans la course, PG. Ah ouais, je crois que c'est avec le narca, avec le tigre, il reste grave longtemps dedans. Ouais. Il tombe dedans. Je crois que c'est le même coup que moi tout à l'heure. Putain, agaçant, c'est galère de le foutre dedans. Viens ici, mon ami. Faudrait qu'il se fasse une petite charge, ouais, comme ça. Là, normalement, il tombe dedans. Oui. Mais non, voilà, moi tout à l'heure, ça m'a fait la même chose. Ah oui, c'est vrai, faut le foutre en rage. Oh, le connard. Oh là, il va m'entendre chier. Tiens, bâtard. Oh, tiens, double coup dans ta face. Tu vas mourir. Ah, ça, c'est pour pouvoir... Ça, c'est pour avoir ignoré nos pièges. Ça, tu vas te manger. Là, j'ai posé un piégeur. Tiens, vive dans ta face, je suis un fou. Tu m'as même pas eu. Bouffe. Là, il nous a niqué. Là, faut avouer. Putain, j'étais grave dans mon élan et tout, là. Ok, le... Ah, d'habitude, ça passe. Eh, mais mec, je crevais. S'il m'attaque une fois, là... Putain, non. Attaque-moi pas. Tu dois faire tourner ton joystick quand c'est comme ça. Ouais, je sais, mais... Non. Voilà. Je sens ouais. T'arriver. J'ai pas eu le temps de prendre... Ah, ça aurait été bien que je perde... Ah, que je meurs pas une fois. Allez, là, cinématique, je m'en fous. Bon, moi, je joue sans son, c'est normal, mon câble. Comme je vous l'ai dit, il est pourri, donc j'ai quelques petits bugs. Oh. Non, mais c'est une blague, là. Il passe pas dans... Ah, j'allais dire... Allez, vite, là, cours. Hop, toi, tu vas t'en manger, même deux. Goodbye. Oh. Il devrait pas tarder à mourir parce qu'il n'y a pas d'être blessé. Je crois que je l'ai marqué. Oui, je l'ai marqué. Tu l'as marqué? Ah, il se barre. Si. Ah, ouais, il est dans la grotte. Non. Ah, non. Je crois pas. Normalement, souvent il va dans la grotte. Il va dans la zone un peu marée, ouais. Non, je m'en doutais. Non, normalement, c'est après la grotte. Par contre, ce serait bien, c'est qu'il donne la carte parce que je me perds tout le temps, moi, ici. Ah bon, on est bien ici. Je me protège, je me prends encore le coup. Bon, si on est encore là. Ouais. Tiens, moi, je me pomme tout le temps quand je viens ici. Ouais. Ah bien, l'autre, il va me. Pareil. Ok, oui. Alors ici, il y a des vélos aussi prêts. Il y a des gants prêts. Et il y a des vélos. Je ne me rappelle plus le nom. Des lots prêts, voilà. Des lots prêts. Ouais. Pour ceux qui empoisonnent. Sérieux? Ouais. C'est des lots prêts, si je m'en fais bien. Oh, t'as eu du bol, Matt. Là, t'allais crever. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Si t'as une santé max, tu l'utilises dès que tu perds de la vie. Bon, pas un grain de vie, mais dès que tu perds un petit peu de vie, tu utilises ta santé max parce que t'auras pas toute la vie. Là. T'as pas ta vie au max, là, je parle. Non. Ouais. Ok, je suis paralysé, l'autre qui vient comme ça, comme Jésus, Christ qui vient sur Terre. Non, mais ça fait rien. Ah non, ça marchait, je crois, non? Non, c'est pas tu dors. Oh, on fait des putains de combos. Non, on a une de ces chats, là. Là, faut y aller. Ah, plus de sort. J'ai l'air trop tard. Oui. J'ai besoin d'aiguiser, lui. Oh, sérieux? Oh, pousse au max. J'ai de la chance. Il passait à côté de moi alors que j'avais... Oh, si j'arrive à mettre une bombe au moment où il saute, ça va être bon. Ah. Généralement, il va pas le voir s'il flashait, je crois. Oh, merde. Bah, il va te parier combien qu'il va balancer ses picots. Il boite. Vas-y, si je peux mettre. Tu vas mourir. Allez, voilà, là il voit. Tu iras pas en grotte. Genre je l'ai blessé avec... Tu iras pas en grotte. Un petit baril. Nickel. Vite. Faut faire péter mon baril. Ça aurait été nickel. De toute façon, il va boiter, ouais. Ce que je me disais. Oui. Voilà.
Tu vois, le petit coup de pique dans la queue, comme ça. Ça aurait été beau, parce qu'il y, y a directement sauté là. Ça aurait été beau qu'il y ait quelqu'un qui a un arc, il shoot dedans. Ça pète. Putain, là, ça aurait été trop beau. Moi, ouais, c'est ce que j'allais faire au début. Je me suis dit, non, je vais pas le faire. Ça, ça aurait été un truc tellement beau. Mais on argasse toujours pour apprendre, tu perds. Ouais, ça quand tu revends ça, si je me rappelle bien, ça donne pas mal d'argent, ça. Ouais. Merde, j'ai 15 minutes. Ouais, okay. Bon, bah, plus les gens. Yo.